finalement le raid c'est Groudon et Kyogre qu'on peut avoir tous les deux en shiny. Kyogre je l'ai déjà en shiny mais toujours pas Groudon, donc j'aimerais bien en avoir un. Là on va lancer le raid et puis on va le faire avec Seb et Anami. Et bah écoutez, je croise les doigts. Yo les Frambris. Donc là vous pouvez le voir hein, sur l'écran de jeu. Le Groudon il a comme attaque lance-soleil. Donc c'est l'attaque qui fait le plus mal. Théoriquement on devrait venir avec des types plantes type Florizarre, Roserade ou noix de coco à Lola. Mais le jeu a proposé en fait des dragons et comme on a tous des dragons bien montés, bon, vous pouvez le voir, hein, là il reste 142 secondes et ça tombe bien, ça a l'air d'aller. Alors j'ai eu un 23-24, ce qui est moyen, on va dire. Germain ? 22-91. 22-91 pour Germain. Le 100%, donc le Groudon parfait, il fait 23-51 en PC. Donc c'est celui qui a attaque, défense et PV au maximum. Bah moi j'ai eu 23-11. Aucun shiny ? Aucun shiny. Bon, ce sera pour une prochaine. Donc là on a fait un Groudon, on va essayer de chercher un Kyogre à côté pour pouvoir essayer d'avoir un bon Kyogre aussi. Parce que c'est un très bon Pokémon Kyogre, c'est le meilleur Pokémon haut. Et franchement il vous en faut un bien pour celui-là, un bon, ouais. Limite le parfait quoi en fait. Donc on va essayer d'en avoir un bon et puis pourquoi pas shiny, un bon shiny. Un bon shiny, ce serait marrant. Bon on vous dit à tout de suite, on va essayer de voir... dans 5 minutes, si c'est un Kyogre ou un Groudon. Donc nous voilà à l'église de la Madeleine. L'œuf va éclore dans 45 secondes. Donc espérons que c'est un Kyogre. Pour avoir un joli Kyogre rose. Toujours avec la même équipe, hein, Seb. Et notre invité Germain. Alors, roulement tambour, attention, 2, 1, et donc, c'est un Groudon. Ah, il l'a su avant moi. Bon, bah, on va le faire quand même, hein. C'est parti. Sinon, après, on va essayer de trouver un Kyogre. Pas très loin, sinon ce sera notre dernier raid de la journée, hélas. Les amis. Re. Donc comme vous avez pu le voir, le nouveau raid c'est qui remplace Etran, c'est Groudon et Kyogre. C'est ça. Je suis un petit peu dégoûté parce que je voulais vraiment avoir Rayquaza, j'y croyais en plus, je sais pas pourquoi, mais bon. Groudon en shiny il est joli quand même, donc en vert là je vais essayer de l'avoir, je vais tout faire pour l'avoir.
la prochaine fois, ça sera sûrement, et j'espère, Rayquaza Shiny. En fait, en parlant de Rayquaza, bon, je pense que vous avez pu le voir passer. Le prochain Community Day, ça va être sur Marc Acrin. Oui, en plus, tu avais raison, tu l'as prédit. On en avait parlé, on s'était dit, oui, pourquoi pas Marc Acrin, parce que ça va être l'évolution 4G, Mamochon, sera la meilleure, le meilleur Pokémon glace, en fait. Et Rayquaza, bah, qu'est-ce qu'il craint? La glace. D'accord, donc, eh ben oui. Donc là, en fait, on pourra utiliser le Mamochon, donc l'évolution, oh, avec une attaque glace sur Rayquaza. Et je pense qu'on pourra même le faire en duo. Enfin, c'est sûr qu'on pourra le faire en duo. Et ce sera encore beaucoup plus simple qu'avec des Mewtwo Laser Glass. Je te propose de faire un challenge Shiny, comme d'habitude. Donc, quand Rayquaza sortira, on essaiera de le faire avec l'évolution de Marc Acrin, celle de la 4G. Rappelle-le-moi, c'est Mamochon. Mamochon. Donc, que des Mamochon Shiny. Que des Mamochon Shiny. Oui, donc là, l'objectif du Community Day, ça va être d'avoir 6 Shiny. Ok, on va essayer de faire ça. 6 Mamochon Shiny pour faire à 2 Rayquaza quand il sera de nouveau disponible. Voilà. Et l'avoir en Shiny, tant qu'à faire. Et l'avoir en Shiny, bien sûr. En tout cas, on a vraiment hâte d'avoir ce Community Day. Vous savez, les Community Day, c'est toujours un très bon moment pour se retrouver entre amis. Et donc, on va essayer de partager ce moment avec vous. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et la partager. Activez la cloche aussi pour recevoir une notification. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, les frambis.